Hellboy. Normalement, vous avez déjà entendu ce nom au moins une fois, que ce soit pour les films avec Ron Perlman, celui sorti en 2019, ou tout simplement parce que c'était une série phare de comics de chez Dark Horse, et sûrement leur plus grosse licence depuis que Marvel a récupéré Star Wars, Alien et Predator. Lancé en 1994 par Mike Mignola et John Byrne, Hellboy, les graines de la destruction, sera le premier tome d'une longue série et surtout d'un univers partagé. En effet, viennent s'ajouter aux séries estampillées Hellboy des séries sur Abbé Sapien ou sur le BPRD, mais également sur d'autres personnages moins connus ou d'autres époques. Ici, je ne vous présenterai chaque série que rapidement afin d'éviter les spoils liés à chaque série. De plus, pour effectuer ce guide, je m'appuie sur les sorties VF de chez Delcourt et donc je n'ai pas lu dernières issues VO. Enfin, dans cette vidéo, je vais vous donner une solution un peu bâtarde qui permet de lire plusieurs tomes d'une même série d'affilée et qui vous permet également de profiter des clins d'œil, easter eggs ou révélations qui se basent sur des événements provenant d'une autre série de l'univers. Sur ce, tout est dit, on peut commencer. Et pour commencer, je vous conseille évidemment la série Hellboy du tome 1 au tome 6. C'est par là que Mike Mignola commence à introduire toute la mythologie autour de Hellboy. Il introduit les personnages principaux de cet univers et pose les bases de quelques petites intrigues qui vont se développer au fur et à mesure de la série. On a un ton assez pulp, avec des nazis, des robots géants, des monstres lovecraftiens à défourailler, mais également quelques mystères et divinités un peu plus inquiétantes et mystérieuses. Ensuite, une fois que vous avez lu ces 6 premiers tomes, il y a deux choix qui s'offrent à vous selon moi. Et là déjà, si vous ne souhaitez absolument aucun spoil, faudra quitter la vidéo et revenir quand vous aurez lu les 6 premiers tomes, parce que je vais être obligé de spoiler un événement qui se passe en fin de tome 6. C'est pas quelque chose d'extraordinairement impactant, mais si vous souhaitez vraiment aucun spoil, faut s'arrêter là. À la fin du tome 6, et suite aux événements qui se passent dans ce tome-là, Hellboy prend une décision assez importante, il choisit de quitter le BPRD. Et à partir de ce moment-là, il y a deux choix qui s'offrent à vous, comme je vous l'ai dit. Soit vous continuez la série Hellboy jusqu'au tome 16. Dans cet tome, Hellboy va partir à la recherche de ses origines et on va en apprendre plus sur lui-même. Le côté pulp va laisser progressivement sa place à un côté mystique et presque mythologique, fantastique, voire ésotérique, pour amener la série Hellboy jusqu'à un final explosif et saisissant dans le tome 13. Pour la suite, les tomes 14, 15 et 16 ne sont pas du tout essentiels car il s'agit d'un tome avec des crossovers et deux tomes avec des histoires inutiles en termes d'implication dans l'intrigue globale. Cependant, si vous le pouvez, lisez ces trois tomes, c'est du Hellboy et du Hellboy c'est toujours très bon. Bien sûr, je suis totalement subjectif quand je dis ça. D'ailleurs, une fois que vous avez fini le tome 15 de Hellboy, je vous enjoindrai quand même à lire la série Frankenstein qui va développer un peu le personnage de Frankenstein et va développer le lore de Hellboy. Et en plus de développer le lore de Hellboy, elle va même donner des pistes sur ce qui va se passer dans la suite de la série. Maintenant, vous vous souvenez que je vous ai parlé d'un choix. Et donc soit vous suivez le Hellboy jusqu'au tome 16, voire tome 13 si vous préférez passer le 14, 15, 16. Ou alors, le deuxième choix le plus évident, c'est BPRD. En effet, dans les comics, Hellboy part d'un côté, le BPRD suit sa route de l'autre. C'est normal qu'il y ait un choix à ce moment-là. Soit suivre Hellboy, soit suivre le BPRD. Alors bien sûr, vous pouvez passer d'un tome à l'autre, ça n'a aucune espèce d'incidence, et ça permet de pas trop se détacher d'un univers. En ce qui concerne la série BPRD, elle nous montre comment une institution gouvernementale qui a pour but d'étudier l'occulte va progressivement se militariser pour répondre à une menace de plus en plus imposante pour l'espèce humaine. Les relations entre les personnages et leurs états d'âme sont mis au centre du récit, et c'est à mes yeux une des séries qui m'a permis de développer l'univers d'Hellboy, bien plus que la série Hellboy en elle-même en fait. Pour cela, vous devrez lire les tomes 1 à 8, puis enchaîner avec les 3 BPRD origines. En effet, le tome 3 prend place entre le tome 8 et le tome 9 de BPRD pour son histoire principale, la guerre des grenouilles. Enfin, si vous avez lu tous ces tomes de Hellboy et de BPRD, vous pouvez enchaîner avec BPRD tome 9 à 11, ce tome 11 marquant la fin d'une période pour l'univers Hellboy. Afin de faire une petite pause, vous pouvez également lire la série Witchfinder qui se passe en 1880 et qui nous fait suivre un des serviteurs de la reine chargé de combattre l'occulte. Et vous pouvez également suivre la série Lobster Johnson qui raconte les aventures d'un agent spécial qui combat des nazis lors de la guerre. Cependant, ces séries ne sont plus disponibles et Delcourt ne les a pas encore rééditées. J'ai demandé sur Twitter et on m'a dit que c'était envisagé, mais pour l'instant, il n'y avait pas de date de prévu, en tout cas pour Witchfinder. On passe ensuite à une nouvelle ère pour l'univers Hellboy et on passe surtout à un nouveau spoil. Donc, si vous voulez quitter la vidéo, c'est maintenant parce que là, c'est un spoil assez majeur. Je vais essayer de rester vague, mais... si vous voulez rien vous spoiler, arrêtez-vous là, revenez quand vous êtes au tome 11. Moi, je peux pas vous dire mieux. Suite à Hellboy numéro 13, notre protagoniste est en enfer. C'est compilé en deux volumes avec Hellboy en enfer. Et c'est à mes yeux une des meilleures séries de l'univers Hellboy qu'on a eu jusqu'à là. Parce que c'est Mike Mignola au dessin, il est au sommet de son art. C'est la conclusion de l'histoire sur Hellboy. Et c'est vraiment une masterclass. Moi, c'est une de mes séries préférées. Je vous la conseille très fortement. Si vous avez lu tous les tomes de Hellboy précédents. Après avoir lu Hellboy en enfer, vous pourrez enchaîner sur BPRD Enfer sur Terre, qui voit le BPRD essayer de comprendre ce nouveau monde et surtout comment y survivre.
La militarisation du BPRD est ici totale et on a une série post-apocalyptique qui est vraiment géniale dans laquelle l'optimisme n'a plus lieu d'être. C'est la suite logique du BPRD et on continue dans la même veine en prenant en compte les impacts qu'il y a eu dans la série BPRD. C'est vraiment génial, c'est une série, c'est un petit bijou, il y a des dessinateurs assez inégaux parce que c'est pas toujours les mêmes, mais il y a de petits bijoux dedans. Et vraiment, moi je vous le conseille très fortement si vous aimez BPRD, c'est vraiment dans la même veine. Et ça pousse le délire encore plus loin avec cette organisation gouvernementale qui essaye vraiment de se militariser pour répondre aux besoins actuels. À la fin du tome 3, je vous encourage à lire Sledgehammer 44 avant d'avoir un nouveau choix à faire. Dans Sledgehammer 44, on va sur une sorte d'Iron Man. Ici, l'armure marche au vril, une source d'énergie puissante qui vient des premiers hommes d'Hyperborée. C'est génial, c'est vraiment très intéressant et ça va avoir un impact sur la suite du scénario BPRD Enfer sur Terre. C'est pas obligatoire, mais si vous l'avez lu, vous apprécierez d'autant plus la suite. Donc quand je vous parlais de choix, le premier est de lire directement BPRD en Enfer, tome 4 à 8, pour avoir la suite et fin de cette série avant un grand final dans un mal bien connu. Cependant, je vous conseillerais quand même de lire la série AB Sapiens soit en même temps, soit avant, pour enchaîner le tome 8 de BPRD Enfer sur Terre et les deux tomes de Un mal bien connu. Dans cette série, AB Sapiens quitte le BPRD et cherche à trouver qui il est et quel est son rôle dans cet enfer. A noter que les deux premiers tomes contiennent des histoires assez courtes se déroulant avant BPRD en Enfer sur Terre. Ils sont sans conséquence sur l'intrigue principale et peuvent se lire à tout moment, donc autant les lire avant de se lancer dans les tomes 3 à 7. Ensuite, et là vous l'avez compris parce que je vous ai conseillé de lire le tome 8 avant de les lire, on passe à un des très très gros morceaux de l'univers Hellboy, BPRD, un mal bien connu. Dans ces tomes-ci, on nous remet les membres les plus importants de cet univers, avec Hellboy, Liz Sherman et AB Sapiens face à une menace gigantesque et qui semble inarrêtable. Et je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous gâcher la lecture parce que c'est encore un des grands moments de l'univers Hellboy. Bon, et bien avec ça vous avez l'histoire principale, la trame globale de l'univers Hellboy. Mais si vous avez bien suivi, il y a quelques tomes dont je ne vous ai pas encore parlé. Pour Hellboy et BPRD, en fait vous pouvez lire quand vous le souhaitez après BPRD Origine 1 et 2. L'intrigue n'est pas liée au reste et pour les tomes 1 à 5, on a vraiment une histoire qui se suit et qui est assez plaisante à lire. Cependant, pour avoir un maximum de références, qui sont tout de même assez peu nombreuses, je vous conseillerais de les lire en dernier, mais tout de même avant les dossiers secrets concernés à Koshkei et Rasputin. Et voilà, vous savez quoi lire et dans quel ordre pour Univers Hellboy pour avoir un maximum de références, mais également pouvoir lire plusieurs tomes d'une même série d'affilée sans avoir à jongler entre les tomes, à jongler entre les issues. Là, c'est une forme un peu bâtarde, comme je vous disais en début de vidéo, mais qui va vous permettre de vraiment apprécier cet univers à mon sens. Cependant, sachez que ce n'est qu'un guide et qu'au final, vous pouvez bien commencer où vous voulez. Si jamais l'ambiance Hellboy ne vous plaît pas, il est possible que l'ambiance Hellboy et BPRD vous plaise par exemple. Ou même l'univers BPRD qui peut se passer de la série Hellboy. Bon, vous raterez quelques références, mais un petit tour sur Wikipédia et c'est réglé. Et du coup, même si vous aimez pas Hellboy, vous pouvez avoir une super série d'entités gouvernementales qui combat la fin du monde, et ça c'est cool. Et bien sûr, l'inverse est vrai, vous pouvez ne pas aimer BPRD, mais totalement accroché à l'univers Hellboy et Hellboy in Hell. Voilà qui conclut la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous en saurez un peu plus sur l'ordre de lecture de l'univers Hellboy. J'ai essayé d'en dire le moins possible sur chaque série, peut-être que je ferai une vidéo dédiée. Je ferai sûrement des vidéos déliées sur le Vril, par exemple, sur l'Hyperborée. Et si la vidéo vous a plu, pensez à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.